Bonsoir. Bonsoir, docteur Laurence Plumet. Donc, les logos nutritionnels vont débarquer dans 50 grandes surfaces, test, 5 régions test. Il faut que ces logos soient compréhensibles d'un seul coup d'œil. C'est tout le travail, c'était la promesse de la loi santé, pour savoir si le produit qu'on s'apprête à acheter est bon ou pas pour la santé. On va revenir sur ces logos et vous allez nous aider à les choisir avant qu'ils soient choisis après cette période de test de 3 mois. Mais d'abord, il était temps. C'était une urgence. Marisol Touraine dit que c'était urgent. C'est urgent de lutter contre l'obésité et la prévalence de l'obésité et du surpoids qui augmente en France. Oui, je crois qu'on est tous dans le même bateau. Il faut absolument endiguer cette épidémie d'obésité et de diabète qui ne fait que se développer. 18% des enfants sont actuellement en surpoids ou en surpoids, 6% sont obèses. Pour les adultes, quasiment un adulte sur deux est en surpoids et 15% des adultes sont obèses. Et ça ne fait que progresser et bientôt on va voir arriver l'épidémie de diabète puisque quand on est obèse, au bout de 10 ans, en général, on développe un diabète. Mais vous dites qu'un logo... C'est bien, mais que ça ne va pas tout. Non, bien sûr que non. On ne peut pas résumer un aliment à une couleur, qu'elle soit rouge, verte, jaune. Un aliment a une histoire, il a un profil nutritionnel qui est compliqué. Il faut savoir que ces logos ont été pensés par des comités scientifiques sur la base d'algorithmes, avec donc une réflexion sur des lipides, des glucides, des sucres, et que finalement, c'est assez restrictif comme modélisation. Oui, c'est déjà donc, mieux que les logos actuels qui sont... Oui, alors incompréhensible. Ça, je suis d'accord avec vous. Ils se disent pour les comprendre. Ah oui. Non, mais personne ne les comprend. Il n'y a que nous qui les comprenions, effectivement. Mais de toute façon, les logos, enfin, ce ne sont même pas des logos. Des logos, ce sont des, tout simplement, c'est une étiquette. Enfin, c'est une information nutritionnelle indiquant la valeur énergétique pour 100 grammes et par portion, et les teneurs en lipides, dont graisses saturées auxquelles les gens ne comprennent rien, les glucides, dont sucre simple, les gens ne comprennent rien non plus. Ce sont des pièges partout, les protéines, en fait, dans absolument. Bah, mais c'est réglementaire. C'est l'Europe qui l'impose. C'est facultatif actuellement. Et ce sera obligatoire après. Donc on est d'accord, c'est la réglementation, point barre, mais ce n'est pas comme ça qu'on va éduquer le consommateur. Oui. D'où cette envie de développer des logos plus simples. Des logos plus simples. On les voit là, les 4 logos qui vont être testés. Il y a 2 grandes familles. Il y a la famille des plus simples, voilà. C'est des logos couleurs avec une seule info. Alors là, il y a par exemple le Nutri-Score qui rappelle ce qu'on voit sur les machines à laver. Est-ce que c'est plus ou moins important en dépend en consommation d'énergie. Il y a celui-là, il y a le logo Sens aussi, pareil. Une couleur, une info, à consommer souvent, très souvent, modérément, régulièrement, en petite quantité, jamais pour Patrick, etc. La deuxième famille de logos donne plus d'informations, notamment les apports en sucre, sel, matériel gras, avec ou sans code couleur. Ça, y a... ça existe déjà, d'ailleurs. Voilà. Là, il n'y a pas de code couleur, et dans le premier, il y a un code couleur. Lequel, d'après vous, sera le plus efficace, docteur? Aucun. Donc, on tous boulons alors rien. Vous voulez qu'on revienne? Oui, c'est un peu aussi le but de mon intervention, qui est de dire que ça va demander beaucoup d'énergie. Ça va coûter quand même relativement cher, parce que c'est quand même une sacrée expérimentation. Ah oui. Moi, j'aime bien les gens qui agissent, c'est très bien. Mais, là, mais je crains qu'on accouche bien, un bien, peu... Les dépenses d'énergie. Comment? Pour maigrir, c'est bien les dépenses. Mais là, c'est des dépenses d'euros. Oui, mais bien sûr. Mais là, on est sur les apports caloriques. Donc, je voudrais qu'on vienne peut-être au premier logo. Premier logo. Pour voir logo, les couleurs, vert, Nutri-Score. Bon, le Nutri-Score. Voilà, le Nutri-Score. Ça crée que le nom donc, là, fait perdre des calories. Il est calculé sur la base d'un algorithme qui tient compte des teneurs en lipides et en glucides, dont les sucres. Voilà, ça c'est pour la partie négative, donc c'est ce qui oriente plutôt vers le rouge. Mm-hmm. Et la teneur en protéines, essentiellement, c'est ce qui oriente plutôt vers le vert et peu calorique. Mm-hmm. Bon, fort de ça, clac, les produits sont donc classés. Mais ils sont classés pour 100 grammes. Mm-hmm. Ça veut donc dire qu'on ne tient pas compte des portions consommées, qu'on ne tient pas compte du profil de consommateur, parce qu'évidemment, ça peut être une pastille rouge pour quelqu'un d'un certain âge et qui a un certain problème de santé, par exemple, et ça peut être vert pour quelqu'un d'autre, vous voyez? Donc, c'est trop réducteur, trop simpliste. Bien sûr. Si je prends l'exemple du beurre, le beurre va se trouver dans l'orange et dans le rouge, bien évidemment. Mais il ne viendrait à l'idée de personne. Enfin, en tout cas, je ne souhaite pas de consommer 100 grammes de beurre par jour. Quand on en consomme 20 grammes par jour, ce qui est dans le cadre d'une alimentation équilibrée, c'est parfait. Oui, ce que vous dites, c'est que ça va stigmatiser certains catégories d'aliments. Par exemple, le paquet de chips va être stigmatisé. Mais oui, ça que lui, forcément, il aura un logo rouge. Mais bien sûr, parce qu'il y a 30% de lipides dans les chips. Mais moi, ce que j'explique aux gens, vous savez,
savez, je n'interdis jamais aucun aliment. Tous les aliments ont leur place au sein d'une alimentation. Même les chips. Pourquoi ? Parce qu'ils sont savoureux, vous savez. Quand les gens achètent des chips, c'est pour se régaler. Ils n'aiment pas trop regarder le point rouge ou la teneur en lipides. Simplement, nous, notre rôle à nous, c'est de leur expliquer quelle quantité manger de façon raisonnable. Mais ça ne s'écrit pas sur un paquet de chips. Parce que vous dites, c'est ce qu'il faudrait. Chips, se contenter de 2 ou 3 pédales. Se contenter de 2 ou 3 pétales ou éviter... Oui, eh bien écoutez, le jour où les fabricants écriront ça, tout à fait, ne n'ouvrez pas le paquet. Oui, mais bien sûr. Alors, si ce n'est pas eux qui le font, ça peut être à nous de le dire, via des bouquins, via des informations, des sites, mais donner des idées aux gens sur des repères de consommation. C'est ça qu'il faut faire, plutôt que de stigmatiser des produits. Tous ces aliments que je peux commenter là devant vous, ils ont leur place dans une alimentation équilibrée. Simplement, je vais donner des repères de consommation. Alors, il faut faire très vite. Notre petit beurre, c'est bon. Moi, je l'adore. C'est 30 calories. Et avec 30 calories par biscuit, des petits bouts de chocolat dedans, ça marche aussi. Ça sera un tout petit peu plus grand, mais peu importe. On en prend un ou deux, c'est parfait. Un ou deux ou trois. Mais vous savez, vos besoins ne sont pas les mêmes qu'un ado ou un sportif. L'ado et le sportif, il pourra en prendre 5. 5, ce sera trop pour vous et moi. Vous voyez. Un paquet, c'est mal. Donc, ce qui est vert pour lui peut être rouge pour nous. Vous voyez, donc il faut tenir compte du profil de consommateur et de la portion consommée. Donc petit beurre, Et le coca, ça, non. Alors, oui, vous voyez, si on fait du régime, après, d'abord, on n'apprendra rien au consommateur, parce qu'il sait très bien que le soda, ça sera pastille rouge, d'accord. Mais le soda, bien sûr, c'est très sucré, c'est 20 morceaux de sucre au litre. Mais qui dit de boire un litre ? Surtout pas, surtout les parents, ne faites pas boire un litre de soda à vos enfants. Mais le petit verre de soda, quand il fait chaud, sous la tonnelle, avec la petite rondelle de citron, c'est vraiment bon. Ça, c'est à résumer dans un de boire de l'eau. Dans un logo, c'est pas facile. Oui, tout à fait, absolument. Merci beaucoup.